Monsieur Leuenberger, bonjour. Monsieur Leuenberger. Monsieur Leuenberger. Hein? Bonjour. Vous dormiez? Non, moi je faisais la rêverie. Moi j'étais une petite train. Ah oui, 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 c'est votre inauguration du tunnel du Lötschberg vendredi qui vous a marqué, hein, c'est ça? Oui, oui, bah, monsieur Leuenberger. Bon, attendez. Dang, dang, dang. Arrivé en gare de Lausanne, 2 minutes d'arrêt. Voilà, voilà, voilà. Bon, donc vous étiez dans la locomotive qui a franchi pour la première fois le Lötschberg. Oui, moi j'ai jamais vu un tunnel aussi joli. C'était merveilleux. Mm-hmm. Pour l'inauguration, ils avaient mis un grand rideau en papier à travers. Et puis la locomotive et moi, on a tout cassé et passé à travers. Et après, il y a des méchants, ils osent dire que moi, comme ministre, je casse rien. Oui, 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 oui. Et alors, notre troisième voie, Lausanne-Genève, alors... Mais moi, j'ai déjà dit, on n'a pas les moyens. C'est pas ma faute, c'est à cause du quota. Oui, mais on s'en tape. On s'en tape. La troisième voie était dans le budget fédéral. Il n'y a pas de raison qu'on soit lésé parce que le Gotthard coûte 2 fois plus cher que prévu. D'abord, pourquoi tout engloutir dans le Gotthard, hein? C'est pas ma faute. C'est la faute à qui? C'est la faute à la géographie. C'est pas ma faute, c'est pas ma faute si votre troisième voie, elle passe pas par Zurich. Ouais, ouais, bon, d'accord, il y en a marre. Bon, au revoir, monsieur Leuenberger. Au revoir. Attention à la fermeture automatique des portières. Oui, oui. Oui, 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 oui. Oui. Oui, oui, oui. Oui.